je clôturerai ce chapitre des travaux par ceux réalisés dans le quartier des Alouettes. Très attachés à la cohésion sociale de notre commune, nous avons engagé dès 2008 une relation féconde avec le bailleur social France Habitation, gestionnaire de la résidence des Alouettes. Ce travail collégial avec France Habitation a permis le lancement de la réhabilitation du quartier, qui a débuté en 2010 et concernera à terme, en 2024, plus de 800 logements. 504 logements sont rénovés et près de 300 logements neufs seront construits, dont 112 en accession à la propriété. 4 immeubles seront démolis, représentant 182 logements. Dans le cadre de sa réhabilitation, les travaux d'embellissement et de construction continuent dans la résidence éponyme. Un nouvel immeuble est sorti de terre et a été livré en décembre 2018. Son inauguration se tiendra le 15 mars prochain. Tandis que la résidentialisation de la rue des Saint-Arpans, consistant notamment en l'aménagement des espaces verts, la réfection totale des parkings et des éclairages, est en cours de finalisation. Le bailleur France Habitation entame la prochaine étape dans le projet de réhabilitation. Il s'agit de la déconstruction du bâtiment M, qui débutera en juin 2019, prélude à sa destruction avant la construction de nouveaux logements. Le triangle au sud du quartier, jusqu'ici occupé par un stade vétuste et le restaurant du Petit Champignon, va être rattaché au projet de réhabilitation du quartier, afin de présenter un aménagement urbain plus cohérent allant jusqu'à la rue des Alouettes. À cet emplacement est prévue la construction d'un ensemble immobilier comprenant un peu plus de 100 logements, une nouvelle place publique, une crèche, ce qui portera le nombre de berceaux de la ville à 220, une ludothèque et un lieu dédié à l'espace de vie sociale équipé pour l'animation de la vie locale. Cet agrandissement du quartier sera la porte d'entrée à la résidence des Alouettes via de nouvelles voies traversantes, ce qui achèvera la transformation complète du secteur. La fin des travaux de réhabilitation du quartier est prévue pour 2024.